Une équipe agile doit faire face aux mêmes problèmes que les autres. L'astuce, c'est de les aborder avec sérénité et de les transformer en défis exaltants. Oh les arsouilles! Je vais pas vous y enfumer. Vous vous rappelez qu'Emo il a eu mardé sa mutation? Bon bah y est maintenant c'est bord, il y va. Hein? Quoi? Emo nous quitte? Mais c'est terrible. Parfaitement, c'est abominable. Mais où va-t-il? À Chaille. Tu veux dire plus loin que Lyon? Il part à Dash, à San Francisco, aux Amériques. Mais comment on va faire? Comment on va gérer son départ? Bah c'est sûr que ça va y mettre une tanche à notre vélocité, mais bon, on va tâcher moyen d'y remplacer. J'ai ici une pile de CV dans laquelle nous pouvons regarder. Vous avez un profil de poche, je suppose. Carrément, on y a discuté collectivement avec l'équipe. Alors moi, je voudrais quelqu'un de sympa, mais avec moins de poils qu'Emo parce que je suis allergique. Tchoum! Moi, je voudrais qu'il sache compter jusqu'à 50 en binaire et qu'il parle l'assembleur couramment. Ben moi, je voudrais quelqu'un avec un fort bagage technique avec qui je pourrais parler les conteneurs Docker. Mais je voudrais aussi pouvoir parler d'autres sujets comme le gratin de cardon. Moi, je voudrais qu'il soit agile et qu'il sache jongler comme Henri. Premièrement, il faut qu'il y soit bien d'aplomb techniquement. Et ensuite, il faut qu'il y soit agile. Parce que bon, s'il a une expérience comègue, mais qu'il n'est pas agile, ça sert à que chi. Alors là, je t'arrête. Big data, C-sharp, ça c'est des mots-clés que je peux mettre dans mon moteur de recherche. Mais les valeurs d'agile et d'aplomb, j'en fais quoi, moi? Oh, dis Maramé, c'est pas la peine de m'y mettre une avoinée, hein. On va t'y aider avec l'équipe. Et la décision, on va la prendre tous ensemble. J'ai collaboré pendant 5 ans comme développeur full stack dans une équipe Scrum, enfin plutôt Scrum XP. Un matin, c'est comme ça que ça performe, de toute façon, c'est pas autrement. Mais tabarnak, vous finirez par l'adopter mon process sans rien y changer. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Leader, on n'y entrave que dalle. C'est quoi cet accès? Ben, c'est une joke, les gars. Je suis québécois. J'ai un accent de Québec, c'est normal. C'est le plus beau des accents du monde. Contrairement à votre accent dauphinois que personne ne comprend. Mais non, attends, leader, on n'y a pas d'accès, le cœur même. Non, du tout. Pas le moins du monde. Bon, hé, hey, oh, vous me lâchez un call quand vous avez fini, hein? Parce que, un gars comme moi, c'est une opportunité en or pour votre team. Poursuivons. Vous avez fait combien d'itérations? 50. Hein, quoi? 50? 50? Je vous rappelle qu'en méthodes agiles, je suis un expert incollable. Justement, on vous a préparé une petite mise en situation. Henri, à toi de jouer. Alors c'est simple, on t'a préparé une petite story sur notre application. L'idée c'est qu'on puisse la développer en TDD, qu'on puisse pratiquer un peu les mocks et les stubs. Après l'idée c'est qu'on fasse un petit contenant Docker, qu'on configure avec en cible pour gérer les déploiements automatiques de l'application. Et l'idée c'est qu'on fasse ça en pair pour voir comment tu travailles en binôme. Je peux poser des questions? C'est même une très bonne pratique. J'ai pas compris le mock qui me demande de faire, c'est quoi? Bon, laissez tomber, je le ferai tranquillement tout seul ce soir. Bravo pour cette démonstration d'expertise avec Henri. Je ne suis pas un héros, mes mauvais comics me collent à la peau. À part ça, j'aime bien travailler en équipe et m'enrichir au contact des autres. Et sinon, dans la vie, qu'est-ce que vous aimez? Ah, j'aime bien la montagne, le ski et la tartiflette. Oh, dis donc, ça y est, on voit du bois, hein. Ouais, et ça permettra de renforcer une bonne relation avec l'équipe Mondor. Bon, alors Scardida, là, qu'est-ce qu'on est pris à y penser? Techniquement, pour moi, c'est bon. En plus, il a une bonne expérience de l'agilité. Et ce qui est top, c'est qu'il pourra venir à nos sorties ski. Donc je valide, le choix est fait. Allez, viens, Gilbert. Je vais te faire visiter les bureaux maintenant que tu connais tes collègues. Bonjour, voilà Gilbert. Ah, Gilbert! On est ravis de t'accueillir. D'ailleurs, on t'a préparé un bureau près de la fenêtre. Et on t'a mis près d'Henri, comme ça il pourra facilement te coacher les premiers temps. Ah, ça sera avec plaisir, et on t'a prévu un petit parcours d'intégration. Regarde donc, ici, c'est l'arbre que l'équipe a réalisé de ses valeurs avant que tu nous rejoignes. Je propose qu'on y refasse le même exercice avec toi, Ménère, et qu'on prenne le temps d'y échanger sur ton intégration. Ouais! Eh ben c'est parti! Bienvenue Gilbert. Un équipier s'en va. Aussitôt, un autre le remplace sur le projet. Le cycle des sprints se poursuit et l'équipe agile s'enrichit d'un nouveau maillon. À bientôt.